Le pensionnaire du Red Star Olympique de Saint-Ouen, le champion de France, déjà, c'est une fierté de recevoir symboliquement les membres du Red Star Olympique Odonien boxe à Saint-Ouen pour la pesée. C'est symbolique, ça montre que la maison du peuple est ouverte. Je tiens à remercier Eric Tormos, le président, qui fait un boulot extraordinaire depuis des années. C'est l'héritage de M. Mikhaïlov. Saint-Ouen, c'est vraiment une ville sportive et c'est quelque chose qui caractérise notre identité. Voilà pourquoi aujourd'hui, symboliquement, c'est important qu'on soit là pour la pesée. Puis demain, grand match en perspective, championnat de France, Howard. Et il va maintenir la ceinture. Et vraiment, c'est un combat à la maison. Saint-Ouen, c'est la maison. Un grand combat, ben ça y est, la préparation elle est faite. À l'entraînement, normalement, tout est carré à ce niveau-là. Maintenant, c'est à moi d'assurer et d'assumer. Demain, je suis le champion. Je dois garder mon titre. C'est mon objectif. C'est le challenger. Il a des choses à prouver, donc il donnera tout. Donc je pense que ce sera un très, très gros combat demain. Ici, à Saint-Ouen, chez nous, franchement, c'est du bonheur. Là, ça fait un an que j'ai pas boxé. Et franchement, j'avais faim et voilà, ça ne m'évoque que du positif et surtout pressé surtout. La ceinture n'est autre que M. Gabon, par contre, on va se faire une visite, merci infiniment à lui.